もしかしてお前もこの大会に？え？じゃあ近藤さんも？たるみだろ。見えねえのか？ここにいるさやかちゃんと。お帰りなさいませ、ご主人様。どうだった？好きでもねえ男に仕えた気分は？とても切のうございました。でもこれもご主人様への忠誠の証と思うと、不思議と下腹部から喜びが湧いてまいりました。このまま、ってね。もう話さないでくださいまし、ご主人様。さあどうだかな。Salutations à tous les Ronins et tous les Ronines. Ouais, non, je sais pas si ça se dit... qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les Ronins, en gros, c'est les samouraïs sans maître. Le rapport avec l'émission d'aujourd'hui? Eh ben, tu vas voir. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. On a évoqué rapidement l'univers et son contexte dans le premier épisode, et les personnages principaux dans le second. Alors au final, qu'est-ce qu'il reste à voir pour pas se sentir paumé en commençant l'animé ou le manga? Déjà, il n'y a pas de raison d'être paumé, faut prendre son temps, c'est tout. Oui, c'est à toi que je parle, Jean-Jacques, je veux de l'action tout de suite! Eh ben on a le Shinsengumi. Et je suis pas peu fier de réussir à le prononcer ou l'écrire correctement, parce que ça m'a mis des plombes à l'intégrer, ce putain de mot. J'en étais où déjà? Ah oui, non, ouais, que la vidéo allait sûrement durer des plombes si je m'égare. Déjà, avant toute chose, Gintama ne se contente pas de se centrer sur ses personnages principaux, les Yorozura, ou l'agence à tout faire, appelle-les comme tu veux, mais aussi sur une panoplie de très nombreux personnages secondaires. Mais il y a un groupe qui prend tellement de place dans cet univers que ce serait un crime de pas en parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des flics. Le Shinsengumi est l'une des nombreuses forces de police d'Edo qui se consacre essentiellement à la traque des terroristes du Jūhei-rishi. C'est un groupe militaire particulièrement connu et apprécié au Japon qui a existé entre 1864 et 1869. Ils sont entièrement dévoués au shogunat et sont, dans le cas de force majeure, sous les ordres du chef de la police. En gros, c'est un équivalent du GIGN mais en plus... plus japonais quoi. C'est assez difficile d'avoir des informations sur la manière dont est géré le Shinsengumi. Mais heureusement, l'auteur, qui répond toujours aux questions des fans dans son manga, nous en dit plus sur la manière dont est géré ce groupe de samouraïs de la Cambrousse. On sait déjà qu'il y a le capitaine, le vice-capitaine qui dirige tous les deux l'organisation. À cela s'ajoutent 10 divisions qui comportent chacune entre 10 et 20 hommes selon les périodes, sachant qu'en plus il leur arrive de recruter des hommes et d'en perdre au cours du champ de bataille. Donc, en gros, on peut considérer qu'il y a entre 100 et 200 hommes dans le Shinsengumi. On apprend aussi dans un arc tardif que la 3ème division est surnommée la division du silence, car elle n'est composée que de son capitaine, Saitu Shimaru, un rouquin afro qui est incapable de communiquer oralement par phobie sociale. Voilà, ça c'est fait, on peut passer à la suite. On va voir ça par ordre hiérarchique. Tout en haut de l'échelle, si on ne compte pas le shogun bien sûr, il y a le directeur de la police, Matsudaira Katakuriko, qui dirige toutes les forces de police, Shinsengumi compris. Le personnage est assez atypique, et ça se voit encore plus dans l'animé. Le gars, il a la gueule de Doniro, il a la même voix, sauf qu'il parle japonais. Le vieux ne fait pas beaucoup d'apparitions, excepté quand il escorte le shogun, dont il est le sujet le plus loyal. Dans des endroits douteux, ou lorsqu'il provoque les pauvres commandants du Shinsengumi à régler ses histoires avec sa fille. Incluant au passage des bazookas et des snipers. Ensuite on a le capitaine, le commandant du Shinsengumi. Alors on pourrait s'attendre à un personnage charismatique, qui soulève ses troupes, le gars qui est brillant sur le champ de bataille. Ah là là, on en est loin. Mais loin! Kondo Isao, ou Gorilla, est le leader de cette police de samouraïs en kit. Sérieux et discipliné avec ses hommes, en dehors du cadre professionnel, c'est un pervers. Harceleur, stalker, qui passe son temps à courir après la sœur de Shinpachi, qui le lui rend bien à chacune de ses interventions. Néanmoins, il est très apprécié par tout le monde, notamment par sa bienveillance vis-à-vis de ses ennemis. Gintoki est le premier à remarquer cela, car lors de leur première confrontation au sujet d'Otae, c'est la sœur de Shinpachi. Mais t'inquiète, on va finir par en parler, elle mérite largement un sujet entier. Cette tordue. Kondo insiste pour se battre avec un sabre en bois pour faire un combat équitable. C'est ce que ses ennemis et amis lui reprochent par-dessus tout. Il est trop bon avec tout le monde, et à cause de cela, l'organisation a connu diverses crises plus ou moins graves. On apprendra par ailleurs très tardivement dans le manga que c'est ce sens de la camaraderie qu'il a hissé tout au haut du Shinsengumi, et non ses compétences de dirigeant. Kondo, c'est le grand frère de la bande, celui qui rassemble les parias et les ronins pour en faire la police numéro 1 d'Edo, là où les élites se cassent les dents.
Après le capitaine, on en vient en toute logique au vice-capitaine. Hijiketa Toshiro, ou simplement Toshi, est communément appelé le vice-commandant démoniaque. Direct, ça marque le ton comparé à Kondo. Aussi craint par les membres du Jūhei-Rishi que par ses hommes, il est le vrai digne dirigeant du Shinsengumi, au grand malheur de Sogo, qui cherche à le tuer depuis des années pour lui prendre sa place. Fait notable, il a créé le Shinsengumi Kyokchu Hato, ou simplement le code du Shinsengumi, relaté en 45 articles. Petite parenthèse oblige, tout manquement au code se verra sanctionné par le seppuku, c'est-à-dire que tu t'ouvres le ventre, quoi, comme un samouraï. Et le seppuku, c'est pas cool. Il y a tant à dire sur ce personnage que je pourrais faire durer la vidéo 30 minutes. Hijiketa est froid, rustre, sauvage, le genre de samouraï dans la campagne que tu vas éviter de faire chier. Ses deux péchés mignons sont la clope et la mayonnaise qu'il met dans tous ses plats. Le Japon, hein. Néanmoins, il est toujours juste, ce qui lui vaut l'admiration de ses hommes. Il respecte énormément Kondo, qu'il considère comme l'âme du Shinsengumi. C'est d'ailleurs ce dernier qu'il a recueilli dans son dojo. Un vrai grand frère, celui-là. Et voici le moment que vous attendiez tous. On va parler du meilleur personnage, le plus kiffant, le plus sadique de tous les personnages de Gintama, hormis Gintoki. On va parler de Sogo. Okita Sogo n'est pas, à l'inverse de Kondo et d'Hijikata, un haut gradé du Shinsengumi. Il est juste le meilleur sabreur, le plus jeune membre du groupe, 18 ans quand même, hein, c'est pas mal. Le capitaine de la première division, à savoir la plus importante, c'est celle qui va au charbon en premier sur le champ de bataille, donc il faut avoir des cornes pour en faire partie. C'est aussi le plus grand sadique de l'histoire, tout manga confondu que j'ai connu à ce jour. C'est simple, Light Yagami de Death Note n'est qu'une petite fiotte à côté de Sogo. Imagine ce que ça serait s'il avait un Death Note en main, n'empêche. Ben, il n'y aurait plus personne sur Terre, hein. Mais lui, au moins, il aurait réussi à devenir un véritable dieu vivant. Quoi ? Je suis parti trop loin ? Sogo est craint par tout le monde. C'est un type qui sait parler aux gens et s'en servir à sa guise. Il n'y a que deux types de personnes capables de le tempérer dans le manga, sa propre sœur et Kondo, pour la même raison que pour Hijiketa. Mais ça, c'est quand il est dans son état normal. Alors imagine deux secondes ce qu'il est capable en mode serious business. Et sans déconner, je déteste les vidéos de top sur YouTube. Mais le premier qui me fait une vidéo des meilleurs moments sadiques de Sogo, je bouffe la vidéo directe. Oui, ça veut rien dire, mais t'as compris. Et si tu me crois pas quant au fait qu'on a l'un des meilleurs personnages de l'histoire des mangas, je vais te montrer un extrait particulièrement révélateur du talent de ce petit salopard. Hormis cela, le personnage est très intéressant à suivre vis-à-vis de sa relation avec Hijiketa. Les deux ont un sérieux contentieux depuis toujours, ce qui le pousse à haïr son supérieur depuis de nombreuses années. Mais on ne détaillera pas ça ici, après tout c'est une vidéo de présentation du Shinsengumi, donc le reste tu peux le voir par toi-même. Voilà, c'était les 4 personnages les plus importants de la trame principale, mais il en reste beaucoup d'autres. Je pourrais parler de Yamazaki, l'espion officiel du Shinsengumi, qui est affilié à aucun groupe et qui travaille généralement en plan qu'en solo, qui bouffe des hanpan et qui a un complexe d'infériorité comme Shinpachi, qui passe son temps à jouer au badminton tout seul et qui en général est le souffre-douleur de la bande du Shinsengumi. Il y a aussi Tetsunosuke Sasaki, un ex-rappeur, ex-terroriste, ex-raté, qui est devenu l'assistant d'Hijiketa. Sa seule particularité, en plus d'être un bon à rien, est de perdre le peu de son charisme dès qu'il enlève ses lunettes de soleil. Non, je déconne. C'est aussi un membre de la famille Sasaki, une famille de l'élite qu'il a toujours rejeté. On a aussi un chauve, l'homme chiotte, un binoclard qui fait partie de la première division avec Sogo, et un intello ambitieux que Rondo appelle Sensei. Sans oublier Saitu, le samouraï afro, pour qui même Sogo témoigne d'un grand respect. Voilà, je pense qu'on a oublié personne. Après, pour ce qui est des actions du Shinsengumi, bah, c'est la police, quoi. Même si leur activité numéro 1 consiste à capturer des guerriers Joi, notamment Katsura, qui est l'ennemi public numéro 1 dans le registre du Shinsengumi, il leur arrive de faire de simples patrouilles, de régler la circulation, d'envoyer en taule des innocents, de cramer un prince crapaud d'une planète éloignée... Normal, quoi.
C'est le boulot lambda de la police. Mais leur mission ultime est la protection du shogunat, le Bakufu, ainsi que son représentant le shogun, car c'est grâce à lui qu'ils peuvent se considérer comme des samouraïs. Le port du sabre étant totalement interdit depuis l'invasion des Amanto, seuls ceux qui font partie du Bakufu ont le privilège d'en porter. Pour retracer la création du Shinsengumi, c'est un petit peu compliqué, car on apprend tout ce qu'il y a besoin de savoir dans le dernier arc adapté en animé. Alors te spoiler les épisodes 310 et quelques, c'est un petit peu chaud si tu débutes le manga. Pour faire simple, et sans aller trop loin au risque de te spoiler, Kondo, quand il était plus jeune, dirigeait un dojo dans la Combose Profonde, et c'est là qu'il a rencontré Ijikata et Sugo, à intervalles différents bien entendu. Ils sont tous partis à Edo pour devenir des samouraïs, et vendre leurs services en tant que ronin. Ronin, c'est les samouraïs sans maître, ce dont je parlais tout à l'heure. Matsudara, qui était déjà à l'époque chef de la police, les a pris en main et a formé le Ronin-Gumi, une espèce de police composée de samouraïs sans maître. C'était plus à l'époque des brigands qu'autre chose, mais avec Kondo à leur tête, il a pu constater qu'il faisait de très bons résultats. Donc il a changé l'appellation Ronin-Gumi en Shinsengumi, comme on le connaît actuellement, tant que Kondo sera à la tête du bousin. Voilà, c'est tout pour le Gintaverse d'aujourd'hui. Si tu veux te lancer sur l'anime ou le manga à partir de ces 3 vidéos que j'ai déjà faites, normalement tu es déjà bien armé pour le faire. Mais dans le doute, je vais laisser une petite vidéo bonus dans un onglet ou dans la description de la vidéo. Ça parlera du Shinsengumi, c'est toujours dans les propos. Mais cette fois-ci, on va parler de ce qui s'est passé dans le monde véritable de chez nous, avec le vrai Shinsengumi, et aussi de la création des personnages du Shinsengumi par l'auteur Sorachi, qui a été un petit peu laborieuse, mais on verra ça entre nous. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, et peut-être que j'en ferai à l'avenir, on sait jamais. Sur ce, je vais aller tuer quelques mouches avant que l'hiver n'arrive. Tchala ! Prochain Gintaverse sur... Le Cast !